Et coucou tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 30. Alors on en était où? On en était qu'on rajoutait des chambres, enfin des étages. Ici un petit peu ça, hop, on descend, voilà. Alors comment ça se passe? Oui, il me faut de l'argile. Oui. L'argile. C'est quoi ça s'appelle l'argile? Eh ben c'est de l'argile ça, on a tout plein là. Allez, on y va. Donc ce qui chasse, c'est surtout. Oh, elle veut chasser. Son niveau que de 8, hein, donc on attendra un petit peu. On va vite voir si on peut pas lui donner un arc. Ouais. Hop. Je sais plus. Est-ce que j'en fabrique? Non, parce que j'avais dit que j'allais les faire là. Qu'est-ce qui manque comme ressources pour faire des arcs? Du bois, j'imagine. Hein. Comme d'habitude, le bois, c'est la base. Ah, mais c'est l'été et le temps est dégueulasse. Vous êtes sérieux? Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai des vaches, ça c'est cool. Alors, par contre là c'est vraiment dégueulasse avec la pluie, hein. Ça pas du tout. Ouais, continue de faire des recherches. H, c'est pour faire une forge. Mais du coup, ils vont être plus efficaces, j'imagine. Du bois, voilà. Qui coupe déjà un petit peu, ça serait bien. Disponible, non, mais j'ai compris. Champ de choux. Alors, manque de graines, hein. Ça c'est. Pourtant, je devrais en avoir logiquement aussi. 9 choux, une graine. Ben, j'en ai pas. Voilà. Non, j'en ai pas. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent avec les graines? Bah, courez les filles, courez, courez, allez. J'ai quand même envie d'adopter un... Et encore une vache. Oh, c'est un mâle! Me le faut. Mais non mais je suis stupide, c'est la faune. J'ai déjà le mâle. C'est bien un mâle et une femelle que j'ai. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que j'avais deux femelles. Toi t'es quoi toi? Toi t'es un mâle. D'accord, bah ok, je me suis embrouillée toute seule. Bref, c'est pas grave. Là, ce que j'aimerais, c'est quand même avoir un chien. Parce que même si c'est dangereux d'essayer de l'apprivoiser, eh ben, ça serait vachement pratique. Parce que les chiens, ils peuvent ranger. Bâtiment. Le problème c'est que c'est plein de charbon, c'est dommage de faire une croix sur tout ce charbon. On va quand même commencer du charbon, tant pis. Est-ce qu'ils... Ouais, ils peuvent, à mon avis ça va s'écouler. Hein. On va essayer, on va voir ce que ça dit. Au pire ça s'écoule, c'est pas grave, on recommencera. Allez, à
Allez, 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 allez. On y va, les gars. Je l'ai bien envoyé à proposer, bien. Ferme-toi. Voilà. Qui c'est qui va y aller? Si tu pouvais faire ce qu'on te demande. Alors, est-ce que la barrière va s'écrouler? Théoriquement, oui. Là. Alors, il commence à miner, puis finalement, il se barre. Ah oui, parce que c'est plus l'heure. 19h, ouais, c'est plus l'heure. 19h, ils vont faire d'autres trucs. Prier, par exemple. Voilà, aller prier. Ah, mais c'est pas possible que ce soit l'été, j'y crois pas. Oh. Franchement. Bon, je sais bien qu'en été il pleut aussi, mais là. J'avais dit que je mettrais un truc pour faire les arcs. C'est prévu. Ouais, c'est prévu. Alors. Ah bah on va. Bonjour. C'est bientôt l'heure du dodo. Ouais, j'ai toujours 1, 2, 3, 4. Est-ce que... Allez, c'est parti. Du coup... Non, pas ça. Non, plus. Vise, Edgy. Ça. Hop. Voilà. Par contre, ils ont pas fini de... Ah, il manque de bois encore. Oh là là. Les gars. Hop. Ah oui, alors ça creuse. Ouais, ça s'écroule, ça m'étonne pas, c'est normal. Alors, je sais, il y en a en sous-sol, certainement. Mais... Parce que de la terre, j'en ai. Hein. Même combler un petit peu. Hop. C'est pas grave, je referai. Pourri dans la réserve, super. Bravo. Comment ça se fait qu'ils ont laissé pourrir? Ah les gars. Non. Il n'y a pas de raison qu'il laisse pourrir. Hein. C'est vraiment... C'est vraiment pas bien. Pof, pof, pof. Allez. Donc du coup, je sais plus si j'en avais parlé. Je vais faire sauter un épisode, celui du dimanche. Pour avoir un rythme un peu plus détendu de mon côté. Parce que 7 épisodes par semaine, ça faisait beaucoup à tourner et surtout à monter. Voilà.
dimanche, pas d'épisode. Direct. Alors, est-ce qu'on a toujours coupe extraction et... On en est où de l'influence de la région? 23%. Peut-être qu'à 25, on aura quelqu'un d'autre. On verra. J'espère que j'aurai plus de problèmes sur OBS, surtout. Que ce soit pour le son ou les vidéos. Mais surtout le son. Le son, c'est problématique, hein, toujours. Je suis vraiment désolée. Et elles font des bébés quand, les vaches? Non, parce que... Vous pouvez, hein. Faut pas vous gêner, les chèvres, elles se gênent pas, elles, hein. Attention aux ressources, attention aux ressources... Ah bah au moins ça coupe les arbres. Ça, c'est bien. Il reste un arbre à couper. Du coup, la construction, on va essayer de se remettre comme ça un petit peu. Oui, alors, voilà, c'est cool. Ouais, c'est très bien. Les lits sont faits. Du coup, là, j'ai plus qu'un lit dans cette chambre. Dans cette, ouais. C'est pas mal, ça suffit. Et les pommiers, est-ce qu'ils donnent de temps en temps quand même des pommes? Parce qu'on a l'impression que non. C'est dommage de ne pas donner de pommes pour un pommier. Bon, bah c'est en bonne voie de toute façon. C'est quoi là? Ah bah c'est tous les arbres que j'ai prévu de couper, donc ça va aller. Ah, ils se mettent au boulot, eux. Okay. Non, c'est pas les murs qu'il faut, c'est ça. Okay. Okay. Ça, je remettrai les barrières et puis je pourrai creuser derrière sans souci. Comme j'ai dit, la terre j'en ai vu que j'ai creusé des caves. Ça va faire un peu de place justement. C'est pas plus mal. Ah, ça y est, on a fini de travailler. Ça va? Pas trop dur les journées de boulot? Non mais feignant. Ils ont des journées de pas possible, mais moi je les traite de feignant. Bravo. Ouais, il fait pas froid dans les pièces, je pense. Oh, quoique. Sérieux? Que 9,5? En même temps, les murs, c'est de la pierre. Parce que les fenêtres sont fermées, ouais. Bon, bah, c'est pas si mal, alors. Ah, mais en même temps, il n'y a pas de... J'ai pas mis de chauffage là-dedans. Ah oui, oh, je dis ça et je suis en train de grelotter en même temps, en vrai, quoi. C'est trop cool. Là c'est pareil, hein. J'aurais pu faire une chambre de lit, c'est quoi ça? Ah c'est les torches. J'aurais pu facilement faire une chambre de lit.
C'est ce qu'on va faire. On va repositionner celui-là. On prévoit, hein, même si on ne fait pas de bébé de toute façon. Compétences, maintenant niveau 16. C'est bien, ma copote. Tu grandis. Toi aussi, tu vas te repositionner. Ça ne sert à rien. Ce sera vraiment la bibliothèque. Allez au lit, hop, tout le monde au dodo. Non mais, j'ai dit au lit, vous pouvez attendre 2 secondes quand même. Ils sont drôles, hein. Alors, la personne. Top. Et ben voilà, bonjour. Donc Marie, cette nuit, elle s'est couchée très tard, donc je sais pas à quelle heure elle va se lever. Puis elle a voulu aller dormir dans la même pièce que Jonathan, alors moi je dis rien, mais bon. Voilà, hein. Il y a quand même des couples qui se forment même s'ils font pas de bébé. C'est plutôt rigolo. C'est fait. C'est fait, Jonathan. Qu'est-ce que tu fais? Supprime un bâtiment. Non, c'est pas un bâtiment qui supprime. Exagère pas. C'est... c'est le lit. Ça va. Hop. Continue de dormir. Allez, tu m'étonnes. Elle s'est couchée à 1h du matin. Et dortoir. Ah ouais, d'accord. Non, mais. Non, c'est une chambre. Dortoir, tout de suite, il y a 2 lits. Quand même. Ah. Jardinage, jardinage, coupe. Ok, il n'y a personne qui va encore essayer de dresser le loup. Ouais, il y a pas mal d'arbres à couper, donc ils sont pas encore finis, forcément. Marie est partie travailler, c'est très bien. 21 le niveau. Oh, ça commence à être des pros. Hein. C'est pas mal du tout. Ok. Allez. Vas-y, push. Hey, 14 en extraction. Marie est de monter pas mal de niveaux quand même. Attends, pose dessus. Botanique 15, confection 15, construction 16, corps à corps 6. Oui, bah c'est un petit peu normal. Cuisine 5. Bon, c'est pas si mal, hein. Discours 10, dressage d'animaux 11, extraction 14, forge 4, intellectuel 17, médecine 5, menuiserie charpente 9, tireur 10. D'accord. Bon, c'est clairement pas la meilleure. Oh vache! Oh, il fait peur lui. Ah, en cuisine il est bon, mais voilà. Oh, lui il est très intelligent, attention, on rigole pas. Ouais. C'est la confection, d'accord. Et c'est une bonne couturière. Bah, c'est globalement pas des flèches quand même. Allez, c'est pas grave. Pas tout avoir. Allez. Ça y est, ben. Tu fais quoi, Marie? Marie! Mais si. Ok. D'accord. Bah, sinon, tu peux. Marie! Ah, va boire un coup. D'accord. En plus, elle se met à picoler maintenant. Ah ben bien. Bon. Bah, il suffit de mettre de la terre dedans, hein. Faut pas vous casser non plus votre cul, quoi. Ça va aller. Eh oh. Bon. Alors. Qu'est-ce que j'avais dit là? Là, j'avais rien dit, peut-être. Là, j'avais rien dit. Mais je pourrais avoir des moutons. Allez, on va dire moutons.
là j'avais dit, là j'avais bien dit poulet. On va faire un bâtiment là pour les ânes. Même si on n'en a pas encore, un jour on en aura. À partir de ce principe là. Et du coup ça pourrait être sympa. Quoi? Ah. On traîne une porte ici. Porte qui ne peut pas franchir, je vais même la faire renforcer. Voilà. Ensuite, comme ça. Faire, hein. Hop. Donc là, c'est de calcaire qu'on va manquer. D'accord. Ici. Ici, c'est du sol rocheux. Je vais aussi avoir du calcaire. Trop bouché. Hop. Comment ça, échec de la construction? Gâchis. Oh, c'est déjà 20h, on a le temps de rien. Les chambres ont leur non. Faut quand même que j'en mette de partout. Histoire d'être à l'aise. Voilà. Là, il n'y en a pas non plus. Hein. Ce qui dort là, il est bon pour se dégeler. Alors, est-ce que j'ai les coffres du coup? J'ai pas vu. Il me semble que j'en ai vu une quelque part. Non, ouais, là. Donc le coffre, ouais, j'aimerais autant que ça soit vraiment pour l'habillement. On va en mettre un peu de partout, je pense. Coffre en bois, en osier, en fer, en argent. Non mais le bois c'est bien, hein, sincèrement. On va mettre deux là. On va en mettre... Ah mais il y a... sens. Attends, j'ai pas fait gaffe. Ouais, faut pas déconner s'ils peuvent pas aller dedans. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. La suite au prochain épisode. Des bisous.